Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture. Aujourd'hui je voulais faire une lecture de boule de cristal, tarot flash pour tout le monde, d'accord? Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et on va commencer sans plus tarder. Tous les signes sont les bienvenus sur cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je crois que j'avais fait une annonce ce matin comme quoi je me lance dans la peinture, ok? Bien évidemment, je suis en train de travailler sur mon propre jeu de cartes. Et par la grâce de Dieu, je vais finir bientôt. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. J'ai pas encore fini, ok? Mais je vais finir bientôt. Inch'Allah. Alright. Mais en attendant, je viens de terminer un nouveau tableau. Et pour ceux qui seront intéressés à acheter ce tableau, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo pour pouvoir acheter votre tableau. La livraison est gratuite si vous achetez le tableau, d'accord? J'ai intitulé ce tableau Amour éternel. Ok, pour ceux qui sont divinatrices, etc., vous allez carrément être capable de percevoir à travers ce tableau ce que j'ai pu essayer d'exprimer en parlant ici d'amour éternel. Ok, donc je vais vous montrer juste un peu ce que c'est. Je pense que c'est toujours en train de sécher. Le tableau est toujours en train de sécher, mais anyway, j'espère que vous allez apprécier. C'est beau, right? Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir et tout, mais bon, bref. So, pour ceux qui sont intéressés, ce sera disponible sur mon site, d'accord? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la livraison est carrément gratuite. J'ai bien signé, right here. Et c'est encore une fois intitulé Amour éternel, ok? So, vous avez la lune over here et vous avez tout ça. Mais si vous êtes plutôt spirituel, divinatrice, etc., vous allez ici être capable de... vous allez ici être capable de lire des émotions à travers cette peinture. Whatever. Ok. On va donc commencer votre lecture de cristal. Alright. Je suis essoufflée. Oh, toute la journée, je vais arrêter de travailler. Ok, c'est parti. Oui, c'est à partir d'entre vous. J'entends ici des pleurs de bébé. J'entends ici des pleurs de bébé. On a ici une personne qui est peut-être à l'hôpital en train d'accoucher. Pour d'autres, si vous souhaitez avoir des enfants, il est probable que très bientôt, vous risquez de tomber enceinte. Vous risquez même ici de tomber enceinte durant la nuit de la pleine lune à soi. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici dans une situation où il est probable que depuis un certain temps, vous avez une fièvre de bébé, d'accord? C'est ça, non? Fièvre de bébé. So, vous avez une très forte envie d'avoir des enfants. Peut-être que vous avez 30 ans, 32 ans, 33 ans et vous n'avez toujours pas d'enfants. Mais j'entends un enfant qui pleure, un bébé qui pleure, c'est un petit garçon. Pour une autre partie, il est probable que vous venez de vous mettre dans une relation amoureuse avec un nouveau partenaire. Votre partenaire a des cheveux noirs, d'accord? Si c'est un homme, il est blanc, qu'il soit blanc ou noir, non, qu'il soit blanc, non, ça n'a pas fait, ça ne veut rien dire. S'il est blanc, il a des cheveux noirs, donc il n'est pas blanc. Alright. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici sur le point de tomber enceinte d'une personne. Pour d'autres, il est probable que votre mari est court de taille ou votre futur partenaire est court de taille as well. Ok, mais si c'est un homme, il n'est pas si grand que ça. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, j'entends des bruits de marteau, des bruits de marteau. Il est probable que vous travaillez dans une compagnie de construction, pour certains,
Ou encore pour d'autres, vous cherchez du travail et c'est carrément une compagnie de construction qui va vous engager. Here. Bon, là, ici, dans une situation, je parle peut-être à un ingénieur, un maçon ou encore... Soit un ingénieur ou un maçon, d'accord? Ou un architecte, over here. Pour d'autres, on est ici dans une situation où il est probable que vous avez envie d'être en couple avec une personne, vous souhaitez être en couple avec une personne, mais on a votre partenaire qui est beaucoup plus concentré sur son travail qu'il n'est concentré sur vous. As well, vous pouvez ici être intéressé à quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est work alcoholic, quelqu'un qui est lui aussi ou elle aussi amoureuse de vous, mais dans un certain sens, essaye de vous oublier à travers son travail. Pour une autre partie, donc, on a ici quelqu'un qui s'inquiète et qui se demande si vous l'aimez toujours. C'est peut-être aussi vous qui vous demandez si vous aimez toujours, si une personne vous aime toujours. As well. Bon, on a ici quelqu'un qui essaye de vous éviter. En se jetant sur son travail. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui vous évite carrément. Quelqu'un qui ne veut pas vous voir ou qui évite de vous voir. Peut-être même que vous n'êtes pas en palabre avec cette personne. Vous n'êtes pas en froid avec cette personne. Mais on a ici quelqu'un qui est déstabilisé et troublé à chaque fois qu'il ou elle est dans votre présence. OK? Et c'est ici... quelque chose qui embête votre partenaire. Donc, on a carrément votre partenaire qui décide de prendre du recul de vous, faire 2, 3, 4 pas de vous à soi. Pour une autre partie d'entre vous, j'entends des pièces qui tombent sur le sol. Des pièces qui tombent sur le sol. Pour certains, faites attention à vos dépenses. Faites attention à vos dépenses. Faites attention à vos investissements. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici... un problème avec le stock market as well, un problème avec le stock market. So, il est probable que vous allez commencer à avoir envie peut-être de vendre certains de vos stocks ou encore vous allez ici avoir envie de localiser vos stocks dans différents marchés. OK? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui risque de perdre son argent. Si vous avez pour habitude de transporter du cash, faites attention, vous risquez de perdre votre argent. Égarer votre argent à soi et c'est de l'argent qui est important. C'est peut-être de l'argent que vous devez prendre pour faire quelque chose. So, faites attention à ne pas égarer votre argent. OK. What do I see again? On a ici quelqu'un qui s'appelle Patricia. Patricia. Qu'est-ce que vous avez, Patricia? Pour cette partie, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici qu'il s'appelle Patricia. Mais il est probable qu'on est dans une situation où cette même personne-là s'est disputée avec sa mère ou avec sa tante, OK? Et on est dans une situation où on a cette personne-là qui doit faire attention parce qu'il est probable que tu as ta mère ou ta tante qui te maudit ou qui décide de te maudire après une dispute à soi. Et puis, cette partie d'entre vous, on a ici la mère ou la tante d'une personne qui est carrément venimeuse, sorcière, something like that. Et pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une femme qui maudit carrément votre ventre, votre womb. OK? On a ici une femme qui maudit le womb d'une autre personne. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Ah, le womb, c'est là où on porte l'enfant, OK? Sur le point de partir, on a ici quelqu'un qui prie pour qu'une personne soit stérile. Du jour au lendemain, on a ici quelqu'un qui commence à prier pour qu'une personne soit stérile. Sur le point de partir, on a de la jalousie à cause d'une grossesse ou de la jalousie à cause du fait que vous voulez tomber enceinte ou que vous êtes sur le point de tomber enceinte. Faites attention à qui est-ce que vous parlez de votre vie privée ou encore de certaines choses privées
certaines choses privées qui ont de l'importance à vos yeux, ok? Parce que je vois des serpents, des venins autour de vous. Puisque c'est parce que vous faites attention à certains membres de votre famille à soi. Oui, donc maintenant que j'entends de la musique, on a ici quelqu'un qui est en boîte, je sais pas, on a ici quelqu'un qui est en boîte ou dans un bar, ou encore pour d'autres, c'est probable que ces derniers temps, you know, vous êtes tout le temps dehors, vous êtes tout le temps dans des bars, dans des boîtes, something like that. Et il faudrait que, on a ici une personne qui doit faire attention à ne pas boire en conduisant, ou encore on a ici quelqu'un qui doit faire attention à être intoxiqué, si c'est français. Ok? Parce que pour d'autres, je vois ici une situation qui a un rapport avec une bavure policière ou encore une situation qui a un rapport avec une altercation avec des policiers. So, faites attention à ne pas vous mettre dans des problèmes les week-ends qui arrivent. Ça peut être le week-end prochain, ça peut être les futurs week-ends, alright? Mais on a ici quelqu'un qui doit faire attention à quelque chose qui risque de se passer le week-end. Sinon, on a quelqu'un qui risque d'aller en prison. Pour d'autres, j'entends le nom Hélène. Hélène. Qu'est-ce qui se passe avec Hélène? Puis c'est parce qu'on a peut-être ici une Hélène qui est malade. Ou une Hélène qui a certains problèmes. Mais les anges ici me parlent plus de maladies. Ok? Pour une autre partie, donc, vous faites attention à une Hélène qui est dans votre entourage et qui vraiment n'a plus vraiment goût à la vie à soi. Il est même probable que si vous êtes membre de la famille d'une personne, vous êtes toujours à ses côtés, vous essayez de la réconforter, ou on a ici quelqu'un qui vous cache qu'il ou elle est dans une très grande dépression. All right? Pour d'autres, on a ici un homme qui veut demander une Marie en mariage. So, on a un homme qui sort avec une femme qui s'appelle Marie. Je sais pas c'est quelle Marie. C'est peut-être Marie-Paul, Marie-Christèse, Marie quelque chose ou Marie Toucou, Marie-Laure. Mais on a ici des anges qui me disent qu'on a un homme qui s'apprête à demander une certaine Marie en mariage ou à doter une certaine Marie. Mais la Marie dont je parle, c'est une personne éclatante, c'est une personne qui a vraiment elle est peut-être lion à soi. On a ici quelqu'un qui est peut-être lion ou qui est né en juillet ou qui, je sais pas, juillet c'est lion, je ne sais même pas, je ne suis pas astrologue, excusez-moi. Mais on a ici quelqu'un qui est lion, sûrement lion, something like that, ok? Et on a ici des anges qui disent que ce n'est pas lion, elle est née en juillet. Les ceux qui sont nés en juillet, ils sont quoi? Ah, no freaking idea. Oh, qu'est-ce que je racontais là? Il y a mon ici des anges qui disent que c'est une personne éclatante. Je vois ici quelqu'un qui sait beaucoup faire la cuisine, etc. Et il y a probable qu'il y a un homme dans ta vie qui veut maintenant t'épouser. Je vois ici une relation qui doit aller à un autre niveau entre deux personnes. Une relation qui doit se solidifier entre deux personnes. Plutôt j'entends Chris Christopher. Chris Christopher, what the hell is that? Pour certains, si vous êtes ici une femme, il est probable que vous avez votre partenaire qui ne donne plus signe de vie ou encore vous avez rompu avec un partenaire depuis longtemps et vous voulez le récupérer, vous voulez qu'il revienne dans votre vie. On a les anges qui veulent que vous laissiez tomber cette histoire parce qu'on a ici quelqu'un qui est parti et qui ne veut plus revenir dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, mais on a ici quelqu'un qui a rompu avec vous juste parce que il n'a même pas d'explication pour la rupture. Il avait juste besoin d'être célibataire, il avait besoin d'être libre, il avait besoin de partir et de voir ailleurs. Pour d'autres, je me retrouve à la banque. Qu'est-ce qui se passe à la banque? Ok. Je me retrouve à la banque. Probablement que vous avez des problèmes avec la banque.
Ou encore, on a la banque qui vous a chargé beaucoup plus d'argent qu'ils ne sont censés vous charger. On a ici quelqu'un qui a des problèmes avec la banque. Ou encore, c'est des transactions bancaires qui ne passent pas. Ou vous devez payer quelque chose en tout cas qui est en rapport avec la banque. Donc, faites attention à tout problème qui est en rapport avec la banque parce que ça risque d'être un problème beaucoup plus sérieux que d'habitude. Ou vous risquez d'avoir des problèmes pour retirer votre argent, something like that. Ou peut-être que vous allez carrément avoir un salaire qui ne va pas être déposé à temps, ou un salaire qui ne va pas être déposé, un problème comme ça. Pour d'autres, on a ici certaines personnes qui ont l'impression qu'il faut absolument qu'ils partent retirer leur argent de la banque, ou encore qu'ils mettent de l'argent cash dans leur poche, pour je ne sais quelle raison, ok? Et si c'est quelque chose que vous ressentez que vous devez faire, lancez-vous et retirez de l'argent. Peut-être que vous avez mis dans une banque, something. Alright. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait 15 minutes. Putain, ça fait 15 minutes que je parle. Oh là là, je pensais même que ça fait 5 minutes. Tu ne vois pas le temps passer hein, quand tes yeux sont fermés comme ça. Ok. Donc, ça, c'était la lecture bout de cristal. J'espère que vous avez aimé. Les messages sont sortis comme c'est sorti. Encore une fois, pour ceux qui aimeraient acheter mon nouveau tableau, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans le commentaire juste en bas. La livraison est gratuite. Achetez et je vous livre le plus rapidement possible. Ok. Je ferai bien évidemment beaucoup plus de tableaux, mais celui-ci s'appelle Amour éternel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont dans la divination, pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui s'inspirent as well du travail des autres, etc., you know, ceci a été inspiré avec cette énergie là que j'avais. Amour éternel, je ne sais pas c'est quel diamant elle a entre ses dents. Mais c'est quelqu'un qui doit comment ça s'appelle? On a ici quelqu'un peut-être qui est les docteurs de dents là, comment on les appelle? Dentiste, non? On a peut-être ici quelqu'un qui est intéressé à une dentiste ou quelqu'un qui doit aller chez le dentiste très bientôt. De toutes les manières, si on a quelqu'un qui est relié à une dentiste, il y a l'amour en l'air. Donc tu es célibataire, tu dois aller chez le dentiste et il y a l'amour dans l'air. Mais tu pars tomber amoureux de ton dentiste. De toutes les manières, je ne sais pas. Amour éternel. Ok? Donc, bisous, portez-vous bien. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bye bye.